Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint-Denis, un club de référence de la région Île-de-France qui compte 300 licenciés et 25 équipes inscrites en championnat. Saint-Denis a la particularité d'aligner également une équipe en Pro A féminine. Pour Saint-Denis US 93, il est le joueur leader de cette formation. Il a été champion de Suède en 2012. En 2013, il a été demi-finaliste du championnat d'Europe par équipe. Il est numéro 28 national. Merci d'applaudir Père Guérel. Il a obtenu également de nombreux titres en catégorie jeune avec l'équipe de France. Il fut numéro 4 mondial en catégorie moins de 21 ans il y a 4 ans. Il est actuellement numéro 47 national. Joe Siegfried. Il a été titré en catégorie jeune. Il est numéro 39 national. Andrea Landrieux. Il est aussi de nationalité française, numéro 36 national, Mehdi Bouloussa. Accueillons le coach de cette équipe. Il a été 3 fois champion de France de Pro A avec le club de Nevers. Il a été champion de France en simple en 2006, Monsieur Sébastien Jobert. Pour Jura Moretete, il est membre de l'équipe nationale de Finlande, numéro 1 dans son pays. Il a été vainqueur du Pro Tour du Nigeria en 2016, quart de finaliste des championnats d'Europe en double mixte en 2016, quart de finaliste en 2021 au Pro Tour du Qatar. Il est numéro 16 national, Benedict Ola. Il a été 8 fois champion de Slovénie, 2 fois vainqueur de la Bundesliga avec le club de Frickenhausen, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe TTU avec les clubs de Montpellier, de Frickenhausen et de Saarbrücken. Il est numéro 19 national, Bojan Tokic. Il est membre de l'équipe nationale de Tchéquie, numéro 1 dans son pays. Il a été quart de finaliste des championnats d'Europe en simple et par équipe en 2021. Il s'était brillamment qualifié pour les derniers Jeux Olympiques de Tokyo en remportant un tournoi de qualification internationale. Il est numéro 30 national. Merci d'applaudir Lubomir Jean-Caric. Il est numéro 2 dans son pays, le Mexique. Il est le responsable technique de notre club ainsi que le coach de nos différentes équipes. Salvador Uribe. Les arbitres de cette rencontre, M. Alain Bourgeot, qui est de Haute-Somme, et M. Christophe Gros, qui est de Besançon.